quand on met ça ou pas.
Tiens, on
Se fixe trois objectifs principaux. L'instauration et le respect
respect de toutes les libertés démocratiques pour le peuple. Liberté de conscience, de pensée, d'expression et de presse, de réunion, liberté, l'instauration de la liberté politique pour le peuple avec le droit de libre constitution des partis politiques et d'associations, la libre participation des citoyens à la gestion démocratique des organes internationaux, le président Moutar Gatal avec le secrétaire aux relations internationales, Maître Dembagnabo. Mais à 16h, les leaders organisateurs trouvent les portes de la grande salle désespérément close sous le regard d'un important dispositif policier. C'est le premier bras de fer entre les démocrates et le pouvoir. Ne cédant ni à la panique, ni à la provocation, ni à l'intimidation, les démocrates décidèrent de tenir dans la cour le meeting qui aura lieu finalement. Se lâcher au dernier moment. Ce fut une marche grandiose, une marée humaine estimée entre 10 000 à 30 000 marcheurs. Les slogans arborés étaient « Liberté, liberté, vive la démocratie, vive le multipartisme, union dans la diversité, un seul peuple, oui, un seul parti, non. » La symbolique. 1. L'itinéraire, place de la liberté, avenue Mamadou Konaté, avenue de la Nation, boulevard de l'indépendance, bourse du travail. 2. Un devoir de mémoire. C'est le 42e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et le 34e anniversaire de la naissance du président du Sénégal. 3. Un moment fondateur. Cette marche aura le mérite d'exorciser la peur de la marche pacifique et légale comme une arme de revendication démocratique. Elle aura en outre démontré la maturité des démocrates. Parce que 28-29 mai 1990, nous y un thème tout ma conseil central extraordinaire que le multipartisme faut à Katia à la fin. Ma chambre clandestinité là où nous devons apparaître dans ce cas Angan pour les membres, donc, ou fou. Angan a baron malien fou. Angan a ambiage fou. Fonayan de mes consoles. Mais n'a son madame n'a pas ma. Agnès Chilembe, Demsen ou Limousouli. Avec comme il était, Anta Bana, Anga Avenue Bancofen. Mais imagine Mbora, c'est ni la Hakila ou Watila, ni maître de Majalo Bora, la Nerutina, Hakila, la Nerutina Torbaye. Mais au Watila, nous connaissons Binani à Nouorodila. Mais Aoudouani Moun Sara, mais où sera Djoye, où sera Demsenoudi? Est-ce qu'à Dona Demsenoudi? Est-ce qu'à Dona Moussoui? Aoutaouka Famada, Aoukadi Mouma, ça? Mounou Nyaouka Kenegakoum.
Alwadisila. Imagine Mumbora, Ayenka Kofra, Ayenka Kuman, Noya Kosovet. Mais je vais vous point de Madame de Camp, parce que je vais vous faire une fois après avoir une image là. Oui, 3 novembre, oui, 10 décembre, une date fla, une association à Nantes ou à Ndéaké. Mais à ma gamme, vous Amba fait 10 décembre que domi ané chib na bema nhakli bala anka président noy met ntaga tali atara adema daja oye fatoli anga bos ba suka anfa on de bora wono jama min tulanga au yai okere Olum Romunum Masson Capo, ou Tlala Kana Anna Fekautena, Angadier, Angabo, et Angam Yodin, il a fait le 10 décembre. N'a pas de ma sœur Aina, Angatanou en fait. Ou le marché qui est le 30 décembre. Mais Kata 30 décembre là, Fou Kata Moussaka Famaïtien, Akatia Alafé. Ani Adema ni association tou ambela de ligne barake monza anya keni tine nyaye anya keni konoro nyaye mais ou yé président katali fo katara kofé Ma foroba de Bifendi Genedo. Babou n'a pas de ma benevela. Cogné à Nicoco, Babou n'a pas de ma. Quel est Mounaga? Quel est Mounaga? Savez Mounaga? Manito Mounaga? Mounaga? Mesdames et Messieurs les ministres, honorables députés, Mesdames et Messieurs les maires et conseillers municipaux, Mesdames et Messieurs les chefs des partis politiques, Mesdames et Messieurs les représentants éminents chefs de culte, Messieurs les chefs de quartier, Mesdames et Messieurs les responsables des organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs les membres du comité directeur du CIRIF Osserivaton, Mesdames et Messieurs, chers invités, au bismillah, assalamu alaikum. Je voudrais tout d'abord vous remercier très sincèrement d'avoir répondu si nombreux à notre invitation pour commémorer ensemble le 25e anniversaire de notre parti. Le Congrès national d'initiative démocratique Fassou Iwaton. Le peuple du CENI vous souhaite la plus cordiale et la plus amicale des bienvenus. Aou bismillah, aou bismillah, aou bismillah. Anya mele aya njabi ajara anye. Rendons grâce au Tout-Puissant qui a permis la tenue de ce 25e anniversaire. Qui nous donne l'occasion de jeter un regard rétrospectif sur notre parcours, d'analyser notre positionnement et aussi envisager ensemble notre avenir. Avec le respect scrupuleux de nos rendez-vous statutaires, tels que les congrès, les conseils nationaux et autres, et nos rendez-vous statutaires avec la presse, nos communiqués et déclarations, sur tous les sujets d'importance nationale, nous nous contenterons aujourd'hui de simples rappels, comme pour dire que nous avons un cap, que nos propos déjà tenus n'étaient pas des circonstances, mais procédaient de convictions profondes. Nous n'avons donc pas besoin de les changer au gré des circonstances et des événements. Ma fata ka tcha
ambassadeurs par les hérés comme un manja. Macha mandé à Dalla Kafo. Antla Kuma Kuragla Kafo ko bisera. Aïe mi fokun. Okumi kola de kam. Okumbe ansukuna. Okumbe ankono. Okuma bita. Oui, Haglidjini, fait d'Amadola Dron. Aujourd'hui, nous avons un devoir de mémoire qui consiste à nous souvenir que notre parti, le Sénit, n'est pas issu d'un banal conclave entre quelques personnes revendiquant une vision commune sur quelques problèmes. Le Faso de Waton est en effet l'héritier du Sénit Association, première association pionnière de la lutte à visage découvert pour l'installation du pluralisme démocratique dans notre pays. C'était le 18 octobre 1990 à Bamako. Comme cet autre 18 octobre 1946, toujours ici à Bamako, qui vit la naissance du Rassemblement démocratique africain RDA, avec les pères fondateurs Félix Houphouët-Boigny, Mamadou Konaté et leurs compagnons. C'est donc ce jour, 18 octobre 1990, que 53 Maliens, mus par leur amour de la patrie et de la liberté, décidèrent de braver le parti unique et constitutionnel pour mettre sur les fonds baptismaux une association à caractère politique et revendiquant le multipartisme et la démocratie. C'est ainsi qu'est naquit le Sénit dans un contexte particulièrement difficile pour l'expression plurielle. Anga parti m'a glatté. Anga m'a d'abord ouvert les sous de connoté, qu'a fait un affaire d'enquête. Parti m'a mina, béa et sissan. Abiké domina, anga djamana chéria et coton flatté si. Anga, ni jamana ye embêta ye anga ton chaya hakila ka chaya o de sega jamana ye ruwa ambolo anga ton de sigi gele ya kono tasuma kono kana ke bi ambe ni kele nga o kwa nambi minge anto o kete malikola fare amadam neti. Avec des associations et organisations démocratiques, l'ADEMA Association, l'UNTM, le Barreau, l'Association Malienne des Droits de l'Homme, l'AEM, l'ADID, la GLD et la GDP, et rejoint plus tard par une France de l'armée, le Sénit Faso de Waton, contribua décisivement à l'instauration de la démocratie pluraliste au Mali. Au prix des martyrs qui ont accepté les sacrifices extrêmes et suprêmes, les dons de leur vie pour la liberté de leur peuple. Gloire à eux. Certains autres de nos compagnons ont été naturellement rappelés à Dieu, que j'aimerais les citer nommément ici. Mais je dois avouer que je ne suis pas sûr de pouvoir résister à l'émotion qui suscitait l'évocation de certains noms. Prions donc ensemble afin que Allah subhanahu wa ta'ala les accepte parmi ses élus et qu'il nous donne la force constante de prier parmi eux. En nous tchamani kodam de nous faire nous tchamani. Ode djara Allah. Anga djara doa kouye. Allah kouda rosma. En nous et barabin damne. Allah ka fama de amma kou lasse. Anga na ginafana. Anga batou kofeka doa kouye. Le second devoir de mémoire doit nous amener à nous remémorer constamment nos objectifs initiaux. Le devoir de mémoire, c'est enfin notre parcours politique, avec ses hauts et ses bas, et les leçons à en tirer. En effet, la liberté politique acquise, le Sénat Association fut très rapidement confronté à cette équation. Fallait-il dissoudre l'association ou la transformer en parti politique? Une troisième voie qui obtient l'adhésion du plus grand nombre retenu, un parti politique a créé à côté de l'association qui demeurera
une solennelle vigilance de la démocratie. Ainsi naquit, le 25 mai 1991, le Faso Yuato. Il n'y avait aucun hasard pour le choix de la date. Le 25 mai est la journée de l'Afrique et nous voulions célébrer l'Afrique. Que des chemins parcourus depuis cette date. Quand on a une démocratie à Gadjamana Kono, c'est le Djoro Bala Gangrina Balate. Tom nous trouve pour assister. Andrew de Amour et Nyoma, Kassigani et le Mai, quand on a une démocratie, Djamana Kono. Ou les Kama démocratie sur les particules sur la canafo. C'est une façon de voir, c'est une partie. On a la glace, c'est une ton qui a fait. La réalité de ton fait. Et quand tu joues là, et qu'il y a une démocratie là, quand tu as dit ça, il faut que tu aies un d'abord là. J'ai dit que oui, au-delà de lui, il s'est travaillé avec les gens qui ont été. Nous sommes en train de dire que nous sommes en train de dire que nous sommes en parti, en opposition à l'Assemblée nationale, en opposition à Bédakan, en train de la faire, Fangalo. Gardez le nom de Adam Nana voté de là. Élection Front Mukera. C'était en 1992. Au sortir des premières élections pluralistes au Mali, notre parti, au nom de la paix et de la stabilité, a accepté les résultats d'élections vivement contestées à l'époque. Une telle acceptation était une première dans notre sous-région. Car vous n'avez pas de nom, dans son nom, basité, tout à la au fond la série. L'essor organe gouvernemental du 26 janvier 1992 dénonçait déjà des problèmes à ces termes. Parmi les déviations, la fraude a tout naturellement soulevé les plus d'émotions. Là encore, faisons un aveu d'Ambara. Quel eu lieu, c'est indéniable, dans des proportions différentes pour provoquer un branle-bas général et motiver des combats, on le suppose, puisqu'une majorité des partis cria à l'unisson au loup. Et l'essor continuait. La formation de Maître Moutagatal, juste au lendemain du premier tour des présidentielles, a accepté sportivement sa première place, mais sans dissimuler qu'elle nourrissait une forte prévention contre le nombre de voix qui lui fut attribué. Agnato et Mali de Kama, Ami Maliko de la Harissa, Ami tout Maliko l'année à la sortie. Notre parti, à travers son groupe parlementaire, travailla alors à consolider la jeune démocratie malienne. C'est pourquoi nous avons écrit ici que nous sommes fiers d'être 10 fois premiers. Oui, nous avons été 10 fois premiers pour consolider la démocratie au Mali. Ensuite, comme d'autres partis d'opposition, nous étions dans le COPO en 1997 pour les raisons, les circonstances que vous savez. La troisième législative vit les retours de l'Assemblée à l'Assemblée de l'opposition avec Espoir 2002. Nous sommes désormais au gouvernement et dans la gestion parlementaire. L'alternance est annoncée. Elle se transformera en consensus avec l'accord de la classe politique. Pendant la transition, en 2012-2013, le CENI Faso Yuato a largement contribué au retour de l'ordre constitutionnel en procédant à la conciliation dans le cadre de la CSL de tendances opposées qui était prête à en découdre sans concession. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, vous le savez, le CENI fait partie de la majorité présidentielle et soutient les actions du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. En ce qui concerne cette appartenance, je vous invite à interroger le passé récent, notamment le cadre de concertation pour la sortie des crises pendant la transition qui regroupait entre autres partis politiques, le CENIT et le RPM. Et ce CENIT n'avait pas la même approche dans la résolution des problèmes que le FDR d'alors. Aussi, était-il logique que le CENIT, ne participant pas au second tour, soutienne les candidats Ibrahim Boubacar Keïta
dès l'annonce des résultats du premier tour de l'élection présidentielle et après le résultat définitif, nous avons constitué avec d'autres l'Alliance pour le Mali, en abrégé APM. Bi, en gouvernement comme nous, en bas comme notre témoin, tandis que nous avons fait un peu de temps, en avons il y a eu 2012 pour l'état de Kera. On est diamant d'Afrique, 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 on est RPM de Falanyonga, quand on est là, on a ce qu'on a fait. On a ce qu'on a fait. On a CSM, RPM, on a ce qu'on a fait. FDR, on a ce qu'on a fait. On a ce qu'on a fait. On a ce qu'on a fait. On a ce deuxième tour là. On a ce qu'on a de transition. On a ce qu'on a fait. On a tari ani minu kuma be transition kono adolu de ni bara fa o kuma ngwa ye kadi ni du da yo horonde ani minu ye geste transition kono adolu de bara la se o de la bi ambi majorité kono a kuma la election banede a ko dal dal na transition de kono a kay o ka dok ko fa anga famula mo bi ko da fo politique do politique do politique do il n'a fallu que l'on doute. Eh, fait du même bien que l'on doute, n'a pas de temps. Il y a un peu de mon bien que l'on doute, n'a pas de temps. D'accord, quand tu es fou la tête, la vérité, il n'a pas de temps pour le coup de la table. Peu, au moins, en gros, pour dire la vérité, pour dire bien que tu as fait, pour dire que tu as fait, ma vie pour dire que tu as pour le bâton, pour le droit politique. Quand on parle, il y a un bala, il y a un pour qu'il s'y attaque à tout. Ah, il s'y attaque à tout. Il s'y attaque à tout. Il s'y attaque à tout. C'est pourquoi, au-delà des spéculations politiciennes, des accusations gratuites de la mauvaise information liée à l'intox, nul ne sera prouvé que le CNIL, une seule fois, a été pris à défaut sur le terrain de la droiture et de la loyauté. Mesdames et messieurs, un film documentaire vient de retracer la vie de notre parti. Notre 25e anniversaire coïncide pratiquement avec le premier anniversaire de la signature de l'accord de paix pour la paix et la réconciliation au Mali. Nous disons donc joyeux anniversaire à tous les Maliens et à toutes les personnes éprises de paix. L'accord de paix issu du processus d'Alger reste et demeure le cadre idéal pour la préservation de la paix et de la stabilité de notre pays. C'est pourquoi j'invite à nouveau les Maliens et les Maliens de la majorité comme de l'opposition à se l'approprier. Parti d'opposition pendant 10 ans, notre parti, le CNIL, s'est toujours refusé de critiquer le pouvoir sur la gestion de la crise au nord de notre pays et d'en faire un fonds de commerce politique. En fait, il y a eu un conobi. Jamana la canamicola. En Mouloni, on nana. Ben, ma soeur, le gouvernement a été de n'y a de au droit de pays. Ni famille, fait la foika, forêt, ni carrefour. Personne n'a soutenu que l'accord pour la paix et la réconciliation est idéal, ni que sa mise en œuvre serait une promenade de santé. Mais au moins, il a le mérite de permettre aux Maliens de bonne foi de se retrouver. D'ailleurs, ceux qui étaient viscéralement opposés à la signature de cet accord ne sont-ils pas ceux qui
qui en réclame aujourd'hui l'application diligente, ceci serait déjà un progrès si dans le même temps, certains n'arrêtaient pas délibérément cette mise en œuvre avec par exemple une initiative comme la saisine de la Cour constitutionnelle sur les autorités intérimaires. Mesdames et messieurs, force est de reconnaître que les retards que l'on dénonce pour la mise en œuvre de l'accord se font quelquefois en fonction d'intérêts politiques ou partisans. En effet, combien parmi ceux qui dénoncent les retards ont souhaité eux-mêmes le report des élections communales dont l'organisation fait partie des dispositions de l'accord. Mangrou Koko Benkan Tiké, au lieu de parler de Koko Benkan Wadia Teliala, ou Benina Kafo, Konogonte, Nikono Munda Kutse Benkan Mokumam. Au lieu de parler de Teliala Teliake, il y a un peu de Telia, et il y a un peu de Slaya. Ah, Atena Bikela Golade, Doba Sbaka Kota Yefe, Doba Fombi, on devait casser ma Kata Yefe, Gaba Yele Kata Kofe. J'entends aussi, mesdames et messieurs, des remarques sur nos forces de défense et de sécurité, dont le renforcement des équipements et du moral explique aujourd'hui une montée en puissance saluée par tous, notamment par les Nations Unies et tous nos partenaires de l'effort. J'entends aussi, comme un vieux disque rayé, des redites sur l'action gouvernementale. Hier, des déclarations de certains partenaires techniques et financiers ont été évoquées à satiété pour dénoncer la violence au Mali. Il aurait été de bon ton de solliciter les mêmes aujourd'hui pour savoir si des changements positifs ont été apportés. Ceux qui ont cité à Guantanamo hier les rapports du Fonds monétaire de la Banque mondiale ne citent pas leur rapport d'aujourd'hui. Que dit le dernier rapport de du Fonds monétaire international sur le Mali? Ce n'est pas moi qui l'ai dit. J'ouvre une parenthèse et je lis. Les résultats du programme continuent à être bons, comme en atteste le respect de tous les critères de réalisation et de la plupart des repères structurels à fin juin 2015. Le programme pour 2016 comprend un déficit budgétaire légèrement en hausse par rapport à 2015. Pour permettre une augmentation des investissements publics et des dépenses de reconstruction. La composante structurelle du programme inclut des mesures visant à soutenir la croissance continue des recettes, à renforcer la gestion des finances publiques et à promouvoir la bonne gouvernance. Je continue la citation. Les autorités maliennes ont continué de prendre les mesures nécessaires pour que les objectifs établis, leur programme appuyé par les fonds monétaires soient atteints. Les résultats du programme jusqu'à la fin juin étaient solides, ce qui a permis aux autorités de renforcer leur programme budgétaire pour 2015. Le programme pour 2016 prévoit un déficit budgétaire légèrement plus élevé, mais encore modéré, afin de financer l'augmentation des dépenses d'équipement et de satisfaire les besoins de reconstruction. Cela devrait s'accompagner d'une croissance encore vigoureuse du PIB, bien que les problèmes de sécurité représentent un risque pour les perspectives économiques. Je n'ai pas compris. Quand il y a un peu de temps, il y a un fonds monétaire du Banque mondiale de fait, pour le quota. Dans le temps, il faut. Tiens, quand même. Tiens, quand même. Il va falloir mieux voir comme nous. Au cas. Mais il y a mieux voir bien. Il y a une date au cas. Il y a une bonne fois. Il y a une bonne fois. Il y a fini. Et Dieu m'a là. Mesdames et messieurs, notre pays connaît des attaques terroristes. Mais ils ne sont pas sûrs, comme Paris, comme Bruxelles, comme Ouagadougou, comme Niamey, comme Abidjan, comme Abuja et ailleurs. Nous devons continuer la traque de ces narco-terroristes qui prétendent agir au nom d'Allah. C'est pour cela que nous devons faire une nette séparation entre les terroristes ambiants et l'islam, notre islam, et personne ne peut venir apprendre aux Maliens et aux Maliens les règles de l'islam,
une division qui a fait ses premiers pas ici depuis des temps immémoriaux. Et ceux qui tuent, violent sous la commission de l'islam ne sont en vérité que des narcotrafiquants. Il faut s'abstenir des confusions entretenues dont la finalité est de créer l'instabilité dans notre pays. Tiens, Nicolas, on va en faire. On va vous battre, c'est la mère de Roy. C'est la mère. Slamé. Il t'a mis sur le côté de la Slamé en femme. Sungolo fait mis Slamé en femme. Il t'a soufflé la tête de la Slamé en femme. Qu'on aurait des mouvements. Qu'on aurait des bons corps pour drôler en un an. Mati Mali de l'Ancora Bide a bien fait un an à l'Ibella. Ou les Kama, à Kaye en enfant à la Nyanka, Amsela Nyoué qui est trop bien. En a pas là-bas et lui. Qu'on nous faut bien. En moi, pour ma frappe, Mali Béni. En moi, pour ma frappe, Mali, avec ma télé de fou. Tiabanenga, Hére, Abisso, Tourna, Anga Djeka, Mboli, Domo, Maka, Barakens. Jamais nous, voilà, c'est ça. Aïe, qu'on nous ira. Ni mi, Kera, ni qui boit d'atout, il sera fouraqué. Je lui dis fouraqué, Néga. Gabi, Angomu, Nimbo, Bimou, Bissiri, Daka, Nagladou. Rassembler pour construire. Anga Franyonga, Anga Bé, Anga Djamalagla. Anga Franyonga, Anga Bé, Anga Djamalagla. Tiens, j'aime bien la vie de Djamalagla. Ni ma mère en sort, Ignam. Il t'a damné en beau. En beau de Dagny, en beau de Baral. Pourquoi le parti que propose à nos compatriotes? Le Sénat Fassoli Watom est de réhabiliter les politiques et la politique, de consolider la démocratie, d'instaurer une administration moderne et performante, de définir une politique extérieure dynamique et de protéger les Maliens de l'extérieur, de développer le commerce et la fiscalité, de parer à l'indigence industrielle de notre pays, de donner la priorité à l'économie agro-pastorale et halieutique, d'organiser les transports, de moderniser l'arsenal et le tourisme, d'investir dans le social, la santé et l'éducation, et de donner à la femme le statut de rôle fondamental qui lui revient de droit. Nous devons aussi nous faire entendre et respecter sur la scène internationale. Puis qu'on est donné, en tout cas, ton nom, en tant que parti est tort minier, à ce niveau du budget, ni autant de cachetterie, n'aucun canuté, n'aucun unique doté, sans base au moral forcé d'une pour la mi-dernière. Aujourd'hui, Jora, aujourd'hui là, n'est bien, nous sommes chamana, bien bien moi chamana, bien, il serait défini. Amani ma, qu'il n'a pas été ça, pas été ça. On est comment? N'engomba au fou. Ambi dobo ka bara na ka baraji la awuche ani baraji alaka ausara alaka ausara minu nara fara angambi kanim bara ike bi fora nga dine mola bi fora nga nyama tola kana se parti nyama uma kana se jamana nyama uma kana se duba uma awuche ani baraji amako baula ala ta baoka. Bari ni awi duwa wu ke o ni bisika dofra anga baraka o ni bisika fitte nyele ka bo jamana yi kono o ni bisika beni tanye sabati aw ni tia ka kuma jala ka to baka sama na yi sama Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Bravo. La question à poser au président du Sénat, ce sera à 15h. Aha, aïe Sabali, aïe ça.
Trois fois pour offrir ça aux morts qui sont ceux qui sont morts pour la démocratie. Inch'Allah. On n'a qu'à le faire, je vais le faire le droit pour ça. Comment vous Shaitan-Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanirrahim. ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم بلغ ثواب هذه العلم اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم وثقل من ظل عرشك مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين وإليك رفيقا اللهم ثبت اللهم اسكنهم في وسط الجنان آمين. برحمتك يا ارحم الراحمين وامهاتنا وجميع المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات والفتوحات من سائر الجهات وتسلمه من جميع الاسواء والافات بالعزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Concernant la démocratie malienne. Je tiens à remercier en 98, à Madrid, sur les forces et faiblesses de la démocratie malienne. Et ces jours-là, l'UNDP est un messie et a soutenu aussi, si vous savez, à Dakar. Et il a dit, et il avait prédit, la suite de ce régime. Moi, je vous demande de mettre ce pouvoir à la disposition de l'université, que je puisse connaître qui est qui dans ce pays-là. Et sans cela, effectivement. La parole à Badou Dampé, président de l'UFR. Et prier Dieu pour qu'ici, ensemble, nous puissions célébrer les 50 années du parti. Je m'associe aux déclarations du premier intervenant. En 92, j'ai accompagné ceux qui ont lutté contre la dictature. J'avais 16 ans. Je crois que aujourd'hui, même si je n'ai jamais été au fond avec les valeurs du Sénégal, je l'assume partout où je vais. Et devant, j'ai la possibilité peut-être, ou j'avais la possibilité de poser mes questions auprès avec les autres
est pour moi vraiment une opportunité. Mais dans le monde, nous nous rendons compte que des individus agissant au nom de ces réserves, le CENIT continuera-t-il à assumer où il y a une certaine incompréhension. Ma deuxième question, la position est le symbole de la démocratie. Mais est-ce que l'animation d'une opposition parlée est compatible avec des manifestations de la rue? Je vous remercie. C'est-à-dire, la deuxième question, est-ce que l'animation d'une... Dante, la parole à... Alors, merci. Ali Moro. Et Ali Moro aussi, avec lequel on a partagé de bons moments au programme pour les politiciens en Afrique Afrique. Alors, la question que je vais poser à M. le Président, parce que d'après ce qu'on a dit à l'époque, vous aviez 34 ans, vous étiez un jeune homme. Mais y avait-il des jeunes? Quel a été leur rôle? Et de nos jours, j'ai été heureuse de voir qu'il y a beaucoup que vous prévoyez dans le parti pour promouvoir ces jeunes filles et ces jeunes femmes pour emprunter les moments pour savoir pourquoi on a vu très souvent dans les partis politiques que leurs compétences, leurs capacités ne sont pas à votre niveau en tant que président par rapport aux mesures que vous allez émerger aussi comme il se doit. Je vous remercie. Merci beaucoup, Aïva. De libérer la parole, accepter, j'ai dit bien de libérer la parole, parce que accepter les critiques, c'est une première que je salue vivement. Maintenant, j'aurais posé au moins une question. Quelle différence entre ces deux personnes? Alors, ma deuxième question, est partie. Le métier unique. Aujourd'hui, le pays va mal. Très mal. J'attends de vous dire les Maliens en sont. Les Maliens en fait. Les Maliens, où êtes-vous? Où êtes-vous maintenant? Le gouvernement doit être juste à la mort. Et de n'importe quel côté qu'on doit se soucier. Donc, maintenant, surtout cette initiative, critiquez-moi. Merci. Merci, maintenant, encore une fois. Merci, M. Diallo. C'est un chercheur à la faculté de droit privé. Donc, je voudrais faire au Zénith François Liwazon. Elle est déjà prise en compte par les premiers intervenants. Tant l'historien qui voudrait écrire un livre sur l'histoire contemporaine, autant cet historien n'aura pas le droit d'omettre Maître Tal et le Sénit François Idoua. Donc c'est pour vous dire, sont gravés dans les annales de l'histoire. En 1991, nous avons connu Maître Tal, l'animateur à l'Assemblée nationale, un troisième Maître Tal, en 2016, je m'interroge. 2002 à 2007, et le 2007, est-ce que ce silence est synonyme de sagesse? Quelqu'un avait demandé que les naturellement des fonctionnaires milliardaires en République latine n'ont-ils pas perdu un système mafieux? Troisième, il y a eu le multipartisme, il a été permis de créer comme des boutiques de son rail. La question que moi je me pose est de savoir, mais quelle politique le CENIT a pour maintenir aujourd'hui le Mali à des problèmes? Mais finalement on va droit vers le mur. Dès l'instant que vous avez pris la parole, maître, j'ai eu le souvenir de 1997. En tant que dit que maître Tal devait venir à Matala, même si je n'avais pas l'âge de voter, nous avons passé bien entendu plus de 6 heures de temps. Nous faisons tout simplement. Comme notre professeur l'a dit à tout le monde. Si ça va, ça va pour tout le monde. Mais si ça ne va pas, commencez d'abord à s'apprêter pour aller à Dakar, au Burkina et dans les pays créatifs. Et si les autres partis politiques peuvent s'inspirer de vous, naturellement.
Merci beaucoup, Anicola Bouta. Je pense qu'il y a une date historique pour le Mali. Dans la même foulée, souhaite aussi joyeux anniversaire à la démocratie malienne. Pourquoi les acteurs de l'avènement de la démocratie sur l'histoire même du Mali? D'accord, par rapport à l'histoire. C'est pour tout simplement dire que. Donc nous, aujourd'hui, jeunesse d'aujourd'hui, parfois, on se retrouve perdu. Quelle est votre lecture? Pas des créateurs, l'un des acteurs phares de l'autre, un des acteurs aussi de la majorité de la chaîne. Quel lien faites-vous? La troisième question, 25 ans après, maître, quelle place et rôle donnez-vous aujourd'hui à la politique malienne? Avec précision. Et aujourd'hui, 25 ans après, la terre dit avec la population. Après 25 ans de... Merci, président. La parole à Madame Meiga. Merci, vous avez répété. Ok, d'accord. Merci, le forum, et merci à tous ceux qui ont participé. Est-ce que vous avez terminé le plus? Vous pensez, mais, on sait qu'à Djoro, nous serons qu'à faire tout. Comment on fera? Je remercie vraiment le président de nous avoir associés à cette cérémonie pour me voir Madame Sylvie Fadima, une femme très dévouée pour la cause de la France. C'est lui dire la promotion du genre. Donc toutes mes préoccupations ont été prises en compte, mais nous démontrons. Vous êtes notre relève au moment des événements. La comment s'appelle? Le temps passé, elles ont dit, si nous avons mis ça, on ne sera pas comme ça. Parce qu'en ce temps, leur autorisation. Donc, eux, maintenant, elles ont eu la chance des chemins à partir. Nous, on n'avait pas eu ce temps. Donc, on fait leur zélée pour pouvoir aller de l'avant. Merci quand même. Et bon anniversaire. Et que ça fait quand même la première fois que j'assiste à un espace comme ça où tout le monde a été convié par les partis. Et que l'échange est direct, il n'y a pas de réfléchir. Donc vraiment, nous saluons l'initiative et nous sommes là. Nous avons un défi devant nous. Les élections vont venir. Je sais que ça c'est pour qu'ils nous guident avec eux et que nous avons nos plans sur les listes. C'est pas une gâteau, hein. Il faut que nous les présentons nous, aux hommes. Nous arrivons en chalant. Merci. Nous voici au terme de cette première semaine. Et nous allons donner la parole au président pour avoir été adressé. Merci, je pense. C'est une suite qui est intervenue pour les suivis d'une libération d'une voiture. Je ne me trompe pas. J'avais découvert que nous avons été le plus adressé. Il s'est posé et il nous pose deux questions. Qu'est-ce qui s'est passé pour le parcours en dents de scie du SNI dans 25 ans? Et surtout, que faire pour faire correspondre la réalité sociologique du parti, je crois qu'avec ses résultats électoraux? Vous avez parlé de 1992. En 1992, après les premières élections au Sénit, nous avons estimé que le résultat donné ne reflétait pas la réalité des urnes. Quand nous l'avons dit lors de notre 20e anniversaire, on a vu un acteur du moment dire: mais c'est quoi ça? Pourquoi ne l'ont-ils pas dit en 92? Donc ils inventent. On s'est plongé tout de suite dans les archives pour sortir l'essor du 26 janvier 92 qui écrivait: parmi les déviations des élections,
La fraude a tout naturellement soulevé le plus d'émotions. Là encore, faisons un aveu d'embarras. C'est l'organe gouvernemental qui, que je cite, l'Essor. Qu'elle eut lieu, la fraude, c'est indéniable. Dans des proportions différentes pour provoquer un branle-bas général et motiver le combat, on le suppose, puisqu'une majorité des partis cria à l'unisson au loup. Et l'Essor continue, celui du 26 janvier 92. La formation de Maître Mounta Gatal, juste au lendemain du premier tour des présidentielles, a accepté sportivement sa troisième place, mais sans dissimuler qu'elle nourrissait une forte prévention contre le nombre de voix qui lui fut attribué. L'Essor du 26 janvier 92. Nous disons maintenant qu'aussi bien au présidentiel qu'au législatif, ce qui nous a été attribué n'était pas nos résultats. Nous les avons acceptés au nom du Mali et pour le Mali, parce que ce jour, si nous avions refusé, on serait dans une nouvelle transition. C'est le lieu de dire qu'aujourd'hui, on peut saluer et on salue ceux qui acceptent les résultats des élections. Mais ça a commencé en 1992 dans ce pays et avec les sélites. Et voici les témoignages. Ce premier coup de jarnac que nous avons subi nous a posé de gros problèmes qu'il fallait gérer. Puis vint le boycott ou l'exclusion du processus électoral en 1997. Ce fut très difficile. Nous étions devant une situation cornélienne. Nous savions que le résultat était connu d'avance au vu du fichier électoral. D'ailleurs, pour prendre le peuple malien à témoin, nous avons déposé une motion de censure contre le gouvernement pour incapacité à organiser les élections. Ce débat restera dans les annales démocratiques du Mali. Nous savions qu'on ne pouvait pas faire tomber le gouvernement. On était en minorité. Mais nous voulions prendre le peuple malien à témoin. Et nous avons été entendus. Parce que 48 heures après le débat, l'Assemblée nationale a été dissoute pour permettre précisément de poursuivre le processus électoral en tenant compte des observations que nous avions formulées et qui rendaient les élections quasiment impossibles. Donc, il était le choix cornélien, c'était de poursuivre le processus et être marginalisé ou laminé ou refuser d'être dans le processus et aller vers une auto-marginalisation. Nous avons été ainsi écartés et nous l'avons payé très cher. Parce qu'on a demandé à tous ceux qui comptaient dans leur terroir de ne pas aller aux élections. Certains nous ont quittés à cause de ça. D'autres ont suivi la consigne, mais dans les deux cas, nous étions absents. Ceci a joué sur la suite des événements. Mais nous avons aussi connu une très forte répression physique, administrative, financière et autres. Et n'eût été l'adhésion réelle et sincère des militants du CNIL à leur parti que j'ai salué ce matin, nous aurions purement et simplement disparu de la scène politique. Mais malgré tout, au-delà des polémiques, nous nous réjouissons selon les résultats proclamés par l'administration territoriale, le ministère de l'administration territoriale et par la direction générale aux élections, d'être encore quand même le quatrième parti de ce pays, en témoigne l'aide publique donnée aux partis selon leur importance. Où nous venons après le RPM, l'URD, l'ADEMA et le CENIT. Donc cette évolution en dents de scie n'est pas une marginalisation. Nous-mêmes nous ambitionnons de faire mieux. Mais quand on dit ça, on le dit peut-être par rapport à notre position de deuxième en 92.
mais les trois qui nous précèdent étaient ensemble en 92 et nous venions après eux. Donc ça aussi, il faut l'intégrer dans l'analyse. Second point, qu'est-ce que la démocratie a apporté de positif à notre pays? Un pays à terre, sans État, corruption, gouvernance. Je comprends cette question quand nous, Keita, me dit, j'avais 10 ans en 91. Vous savez, en 91, pour voyager, à la frontière, vous demandez le visa de sortie. Sans ce visa de sortie, vous ne sortiez pas, vous ne voyagez pas. C'était ça. En 91, pour être recruté dans la fonction publique, on vous demandait le certificat de militantisme dans le parti. Pour avoir une bourse, on vous demandait le certificat de militantisme au sein de l'UNGM. C'est ça la logique du parti unique, pas seulement au Mali, mais le parti unique fonctionne comme cela. Et c'est là où nous avons dit non. Nous n'avons rien contre ce parti, mais nous voulons l'expression plurielle et démocratique dans notre pays. Parce qu'on ne peut pas rester dans une telle situation. Parce que le parti n'était pas seulement unique, il était unique et constitutionnel. C'est-à-dire que tout Malien qui naissait avait son acte de naissance et son appartenance au parti. Je ne caricature pas, c'est ça la logique du parti unique. Je ne dis pas de l'UDPM, du parti unique. Et c'est ce que nous ne pouvions pas, nous ne voulions pas accepter dans notre pays. La première chose que Mars 91 a apporté, c'est cet espace de débat. Qu'on soit là aujourd'hui, que quelqu'un ait le courage de dire qu'il n'y a pas d'État. Il y a la corruption, il y a la malgouvernance, il y a ça. C'est ça la démocratie d'abord. Et ça, nous l'avons. Mais cela ne nourrit pas son homme. Au-delà de ça, mais un homme aussi, sans liberté, n'est plus un homme, il perd son humanité. Nous avions fait des promesses, nous avons fait des engagements pour changer les choses. Parce que la démocratie doit signifier un mieux-être. Si cela n'est pas le cas, on tourne le dos à la démocratie. Personne ne peut dire aujourd'hui que tout va bien au Mali. Personne ne peut dire qu'il n'y a pas de problème. Mais ce serait difficile aussi de nier les progrès importants que notre pays a connus depuis l'instauration de la démocratie. Et dans tous les domaines. Et surtout les régimes qui se sont succédés. Mais je reconnais que les fruits ne sont pas à la hauteur de la promesse des fleurs dans de très nombreux cas. Et c'est en cela que nous devons continuer à travailler pour que la démocratie signifie pour chacun un mieux-être. Sinon, le citoyen va se désintéresser de la démocratie et se dire à quoi ça sert. Mais, j'entends aussi souvent ce procès, mais je dis qu'il faut faire attention. Si on dit que la démocratie ne sert à rien ou n'a rien apporté, on va la remplacer par quoi? Et j'attends toujours une réponse à cette question. On va la remplacer par quoi? Nous devons travailler à l'améliorer. Mais on ne peut en aucun cas remettre en cause le principe même de la démocratie. Quel usage tel ou tel en a fait est un débat légitime. Mais la démocratie, je continue à le dire, je me suis battu pour ça pour toute ma vie, c'est le meilleur des systèmes. Et on peut se battre pour qu'ils correspondent à un mieux-être individuel et collectif. Le président de la République a dit du général Moussa Traoré, grand républicain. Quelle est l'action de ma part? Il y a eu beaucoup de débats. Je pense qu'il ne faut jamais oublier que le président de la République est un homme comme vous et moi. Et c'est comme ça pour tous les présidents de la République.
qui vient à son investiture, qui invite ses prédécesseurs, il envoie un dans la salle, il ne voit pas l'autre. Humainement, ça peut amener à dire des choses. Mais quand un président dit quelque chose, c'est dit, c'est parti, quoi. C'est comme un coup de feu qui est parti, on ne peut pas courir pour l'attraper. Mais n'oublions jamais que quelle que soit la place que nous occupons dans la société civile politique, nous restons des hommes. Le troisième, c'est Djigba Sissoko. C'est vrai que maintenant qu'il l'est dit, je me rappelle, mais il n'avait pas ce gabarit en ce temps. Vous savez, l'analyse politique, c'est l'analyse politique. Hein. J'ai enfin décidé de publier un tout petit document que vous connaissez mieux que moi. C'est le mémoire de fin d'études pour la maîtrise, l'époque de la maîtrise. Et dans ce document fait en 1980, la dernière phrase, je disais, le peuple encore va descendre dans la rue et renverser les choses. Parce que je suis convaincu qu'on ne peut pas vivre sans liberté. On ne peut pas vivre sans liberté. Bandjougou Danté parle du problème de la laïcité et de l'irreligiosité. Je suis un fervent défenseur de la laïcité. Je le demeure, malgré ce qu'on dit aujourd'hui. Mieux, je suis un défenseur de la laïcité positive. Ceux qui confondent la laïcité avec le rejet des religions, de mon point de vue, ne comprennent pas la laïcité. Ça, c'est l'irreligiosité. La laïcité, pour moi, et pour apprendre ce mot d'un éminent professeur en droit, la laïcité, l'État laïque, c'est l'État qui est a-religieux. Il n'est pas religieux. Nous avons connu des États religieux. Il n'est pas irreligieux. Nous avons connu des États irreligieux. Il est a-religieux. C'est-à-dire qu'il se tient à égale distance des religions. Mais de quelle manière? Nous sommes en train de parler de 1992. Mahamoud Touré, président national du mouvement des jeunes d'initiative démocratique, la jeunesse du Sénat de Faso Iriwatan. Voilà, Monsieur Touré, depuis ce matin, vous assistez à la cérémonie d'anniversaire de votre parti. Alors, Monsieur Touré, quel enseignement vous tirez de cette journée? Merci beaucoup. D'abord, je voudrais commencer à dire,
joyeux anniversaire au Sénéda Faso Iriwaton pour ses 25 ans. Ensuite, pour répondre à votre question, l'enseignement que je tire, c'est que nous sommes un parti qui a existé pendant 25 ans. Et 25 ans, ce n'est pas 25 jours. Donc, c'est pour dire que nous sommes un parti qui existe, qui a contribué à l'avènement de la démocratie en tant qu'association et qui aujourd'hui, malgré les vicissitudes de la vie, malgré les 10 ans que nous avons passés à l'opposition, nous restons debout, engagés, déterminés dans la lutte pour le maintien de la démocratie, pour la consolidation de la démocratie et surtout pour le développement de ces pays-là. Or, qui parle de développement parle avant tout de paix et de réconciliation. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de travailler à la paix, à la réconciliation et à l'unité nationale. Et j'espère que quand on aura atteint cet objectif, donc on ira paisiblement au développement. Et j'espère que lors du 26e anniversaire de notre parti, on sera là pour dire que le Mali est en paix et nous sommes en voie de développement. Merci beaucoup, monsieur le président. Merci beaucoup. Voilà. Madame, bonsoir. Bonsoir, madame. Madame, on le dit naturellement, le parti repose sur les jeunes et les femmes. Alors, je crois que pendant la journée du 25e anniversaire, on a entendu beaucoup de progrès, beaucoup d'évolutions au niveau du parti. Alors, quelle ambition avez-vous pour ce parti pour le 26e anniversaire? L'ambition que nous avons de ce parti pour le 26e anniversaire, c'est encore une fois de plus l'ascendance du parti. L'élargissement des bases et nous sommes en train de beaucoup travailler sur ça. Travailler pour élargir nos bases et gagner les élections futures. Voilà, madame, est-ce que par exemple, à nos jours, quelles sont vos stratégies pour élargir le parti? Nos stratégies pour élargir nos bases, ça c'est clair. Vous êtes déjà avisé, il faut aller à la base directement, mobiliser les militants, leur faire part des enjeux politiques, leur faire part de l'importance que le parti a à s'évoluer, le développement pour l'épanouissement des populations, surtout jeunes et femmes. Voilà, merci madame. Merci. Maître, bonsoir. Bonsoir. Maître, à travers les activités de la journée, qu'est-ce que vous avez inspiré cette 25e anniversaire? J'avoue que je n'ai pas bien entendu la question. Voilà, je reprends. C'est bon. Je reprends. Voilà, pour ce 25e anniversaire, qu'est-ce qui vous a beaucoup inspiré? Écoutez, nous avons eu aujourd'hui, par la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala, l'occasion de célébrer les 25 années de la création de notre parti, le Sénid Faso Iriwaton. Nous avons voulu célébrer cette activité de deux façons. Une façon relativement classique, ce matin, où nous avons... Vous êtes en train
Quand on vous voit derrière là, vous n'avez pas le droit de gesticuler. C'est bon, c'est bon. Mon frère. Avant de donner le bon. Voilà. Bon, je reprends encore la question. Voilà, je disais, qu'est-ce que cette journée vous a donné comme inspiration? Nous avons eu le bonheur aujourd'hui, par la volonté de Allah subhanahu wa ta'ala, de célébrer les 25 ans de la création de notre parti, le Sénat Fassou Liwato. Pour commémorer cet événement, nous avons ce matin rassemblé les militants du parti et pour faire un rappel historique de notre parcours à travers des images qui devraient parler en soi et pour essayer de camper ce qui se passe aujourd'hui et essayer enfin de nous projeter dans l'avenir. Mais là, c'était une sorte de monologue. Nous avions un message que nous avons délivré à travers un discours. Mais l'originalité a été les images qui ont témoigné pour ce qui s'est passé dans notre pays pendant ces 25 dernières années. Mais cet après-midi, nous avons organisé ce qu'on appelait le Forum des femmes et des jeunes. Avoir un contact direct avec les femmes et les jeunes, non pas du Sénit, mais de toute obédience, de tout horizon, pour nous prêter à leurs questions, à leurs suggestions, à leurs réflexions et aussi à leurs critiques. Donc c'était un cadre d'échange interactif où nous avons écouté des jeunes et des femmes de la société civile, des partis politiques de la majorité et de l'opposition, et des jeunes ou des femmes qui ont dit « Nous sommes simplement indépendants, nous sommes des citoyens. » Ce débat a permis de toucher des problèmes cruciaux liés à la vie nationale et internationale. Ce moment a été un moment très fort. Et ceux qui ont participé ont non seulement salué l'initiative qui apparaît comme une première pour une formation politique, mais ont surtout souhaité que ce cadre se renouvelle, ce que nous sommes engagés à faire, Inch'Allah. Voilà, maître, j'ai écouté un leader qui le disait, et à défaut de mettre fin à la démocratie, il faut diminuer les partis politiques. Alors, aujourd'hui, quelle vision, quel regard portez-vous sur la vie politique du Mali? Vous savez, la démocratie, quoi qu'on dise, est le meilleur des systèmes politiques qui existent. Je l'ai dit, je le répète, on ne peut pas mettre le principe de la démocratie en cause. On peut s'interroger sur l'usage que tel ou tel en a fait. Donc, la démocratie, nous devons tous travailler à la consolider, à l'enraciner, à la vivifier. Le socle institutionnel dans notre pays, ce sont les partis politiques. Mais chacun convient qu'il y a un nombre exorbitant aujourd'hui. Comment faire en sorte pour rationaliser, pour rassembler? Je pense que ce débat est incontournable et inévitable. Il se fera sans aucun doute, dans le respect des principes de la démocratie, mais aussi de la nécessaire rationalisation sans laquelle les partis politiques eux-mêmes risqueraient de perdre tout crédit. Merci, maître. Dernière question. Alors, 25 ans d'existence de votre parti, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le bilan est satisfaisant? Si je m'en tiens à ce que j'ai entendu ce matin et cet après-midi, ce n'est pas une trajectoire rectiligne, mais vous avez parlé de bilan, c'est-à-dire des succès et des échecs, des hauts et des bas. Oui, alhamdoulilah, le bilan est largement satisfaisant. Merci.